Bonjour mes amis, je m'appelle Cléo. Comment allez-vous? J'espère ça va. Aujourd'hui, on va lire ce livre qui s'appelle Mon petit Bac. Bac, c'est lui. Il était un musicien. Il a beaucoup de chansons classiques. On va apprendre de ces chansons. Alors, la première. Suite pour violoncelle numéro 1 en sol majeur. En français, on veut dire le clé d'une chanson est do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Alors, on veut dire que prélude numéro 1 en do majeur. Majeur est une clé. Joyeux, joli. Do et la note. La note do. Alors, il y a beaucoup de notes qui doivent s'accorder avec la clé. Et do est la clé. D'accord? Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Alors, la première chanson, suite pour violoncelle numéro 1 en sol majeur. Écoute les notes qui s'accordent avec l'autre. Écoute bien cette mélodie. On dira que les notes du violoncelle suivent le rythme de la balançoire. De la balançoire. En haut, en bas. En haut, en bas. N'est-ce pas? Écoute. Prélude numéro 1, do majeur. Le clavier bien tempéré. C'est le nom de chanson. Les automates de la boîte à musique font leur spectacle au son du clavecin. Un instrument différent. À la fin de l'air, il faudra tourner la manivelle. Et écoute la chanson, est-ce que tu aimes? Moi j'aime! Voilà une chanson qui s'appelle Chorale. Chorale. C'est quelle saison? Le printemps? Non! L'été? Ma saison favorite? Non, c'est l'automne, Cléo. C'est l'automne. On sait parce que il y a des arbres avec... Ouais, les arbres sont oranges. Les feuilles sont oranges. Chorale. La hautboise joue un air joli et tranquille, calme, comme une rivière qui s'écoule doucement. Regarde les petits poissons là, dorés dans l'eau. Est-ce que tu sais, une poisson, c'est mon animal favori. Quel est ton animal favori? Est-ce qu'il est dans la photo? Peut-être oui, peut-être non. Ok, la prochaine chanson. Toccata en ré mineur. En ré mineur. Do, ré. Oh, ré mineur. Et un mineur, c'est un peu plus triste. Les chansons dans une clé mineure sont un petit peu plus tristes. C'est tout que Bach jouait très bien de l'orgue. Oh, un orgue! Voici un orgue.
C'est un instrument vraiment impressionnant avec plein de kiosques. C'est un peu le roi des instruments, le roi des instruments. Très royal. La chanson est un peu triste, n'est-ce pas? Un peu sombre, un peu comme... Badinerie. Badinerie. Suite numéro 2 en si mineur. Do, ré, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ré, mi, fa, sol. En si mineur. Je ne sais pas. Voici Badinerie, suite numéro 2 en si mineur. Écoute. Écoute comme cet air du flûte est gai et entraînant. Il donne envie de sautiller, saute, 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 et de faire la fête. Entre dans la danse. C'est une mineur, mais en fait, il est en... une chanson joyeuse chanson dans une mineure, n'est-ce pas? Et tu nous montres son joli, il y a des nourritures, un gâteau, des fleurs, flûte, un ballon, c'est une propre fête, n'est-ce pas? Quel bon genre. R, le nom de cette chanson est R. Est-ce que tu penses? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et écoute, est-ce que tu penses de l'air? Ouvre les yeux. Aussi harmonieux que la danse. Oh, des dauphins, le chant des vilains berce le petit garçon blotti contre son papa. Bon voyage! Bon voyage tout le monde. Des dauphins sautent. Les chats qui jouent de flûte. Et le papa et le garçon, ils écoutent la bonne musique. Très calme, n'est-ce pas? Oh, hein? C'est le fin. Merci, Puck, pour la musique phénoménale. J'espère que tu aimes le livre aujourd'hui et la musique du bac. Merci. Au revoir.